ça, vous vous rappelez-vous de cette chanson-là? C'était en 91, Maria Ouellette qui habite la rue Drolette. Le vidéoclip était réalisé par Jean-Marc Vallée, celui qui a fait Liste noire. Eh bien, cette Maria Ouellette, elle s'appelle, je pense qu'elle a vraiment habité la rue Drolette, elle s'appelle Marie-Claude de Chevigny. Elle est auteure, compositeur, interprète et musicienne. Et ce matin, elle est seule en studio avec son saxophone et elle interprète une pièce qui s'appelle Les nerfs. Merci. Merci. Bravo. J'aurais envie de dire encore, mais c'était très bon, ça. C'est bien bonne, vous. Ah, bien, merci. Qu'est-ce qu'il dit, votre taxe? Il est très bavard, hein? Qu'est-ce que ça raconte, ça, Les nerfs? Bien, justement, Les nerfs, c'est une pièce au tempo, énervée. C'est quand, comme quand on dit à quelqu'un les nerfs, là. Exactement, c'est ça. Oui. C'est une balade langoureuse. Ouais. Bon, on aurait dit que vous étiez 12, là. Vous êtes toute seule. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes avec votre groupe? Vous êtes combien? Vous êtes 4? On est 5. Oui, qu'est-ce que ça donne quand vous êtes tous ensemble? Ah, c'est bien plus de fun. C'est beau. Là, j'ai un nouveau groupe, justement. On fait un spectacle, notre première Montréalais, samedi prochain. Et puis, c'est un super groupe. C'est toujours beaucoup plus agréable de jouer avec d'autres musiciens que de jouer avec des machines. Est-ce que vous écrivez encore des textes comme Maria Ouellette rue Drolette? Et puis... Oui, j'ai plein de nouvelles chansons. D'ailleurs, les gens connaissent Maria Ouellette, mais sur mon album, il y a 10 chansons, mais... Les gens connaissent qu'une chanson, mais il y en a 9 autres qui sont. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Il y avait cette chanson-là, c'était un hit, on l'entendait beaucoup à la radio. Mm-hmm. Puis après ça, il y a comme, je sais pas, il me semble que j'entends pas parler de vous. Bon, ben, je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai eu des gros problèmes de production, des contrats avec mes producteurs, là. Mais il est quand même arrivé plein de bonnes choses après. Cet album-là est sorti en France, là, ici, mm-hmm. 2 ans après. Puis, je continue à faire des musiques de films, avoir des groupes, à composer. Je compose toujours. OK. Puis là, vous êtes revenu.
Oui. Vous êtes là. Alors, si on veut vous entendre, en tout cas, c'est aussi chouette que ce que vous avez fait ce matin. Merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est Marie-Claude de Chevigny. Elle est avec son groupe, donc, ils sont cinq. C'est au Zest. Le Zest, c'est sur la rue Bennett à Montréal, au 2100 Bennett à Montréal. Et ça se passe samedi prochain, le 9 mars, en soirée. Merci. Merci. Marie-Claude de Chevigny. On s'arrête le temps d'une pause et ensuite, on vous parle des un compte-rendu des premiers états généraux des gays et des lesbiennes qui avaient lieu en fin de semaine à Montréal.